Et tout le monde, c'est Delta Draco. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur God of War. Et on est tout de suite sur la suite de la dernière fois. Hop. J'avoue que j'ai pas forcément fait attention à ce que j'avais débloqué la dernière fois. Donc ça, ça a été ouvert, ça s'est ouvert. Et ici. Hop là. Hop. Ah oui, il y en a deux, d'accord. Bon. Pourquoi j'aurais envie de m'embêter? Coucou, je panier. Hop. Voilà. Ouh. Bon, j'avoue, le mode rage était peut-être un peu overkill, mais bon. Alors, non. Il doit y avoir un meilleur moyen de faire ça. Eh oui, je sais, je sais. Regarde, on dirait qu'il y a une autre partie de sable là-haut, comme celle où j'ai dessiné les runes, tu sais. Mais oui, en parlant de runes, je suis en train justement de la chercher, frérot. Ok, donc visiblement. Hop. Ok. Attends, quand même. Merde. Tu peux viser ça? Non, tu peux pas visiblement. Attends. Ça, ça peut dégager. Ça, ça ne sert à rien. Ok. Déjà, je vais monter ici. Non, je vais pas monter ici en fait. Hop. Et hop là. Non. Ok. Très bien. Je peux pas monter. Est-ce que je peux monter sur ce truc? De l'autre côté? Oh, c'est une très bonne question ça. Et je suis au courant mais... Ah purée. Oui. Oh, la belle prise. Comment on accède ici? Hop. Alors si je vais là déjà. Je pourrais l'attendre si tu m'aides. Mais frérot aussi Qu'est-ce que tu peux atteindre si je t'aide? Ah. Vas-y, j'en ai pas vu. Ah, des détails cachés un peu partout. Hein. Hein. Et je peux te déplacer si t'es dessus. D'accord. D'accord, d'accord. Hop. Vas-y, frérot. C'est bien ça. C'est une autre vasque de sable. Bah, vas-y. T'es parti. Alors on a réussi. Oui et non. Hop là. Parce qu'en fait j'ai pas encore trouvé la dernière... Le dernier truc. Ok, ça c'est quoi? Invoque une volée de corbeaux qui assaille l'ennemi. Alors... Vous avez obtenu une invocation runique, vous pouvez équiper les invocations. Alors attends.
Ah, c'est sympa. Ruine, étourdissement, dégâts. Alors, pas beaucoup de dégâts et un peu d'étourdissement. Alors ça étourdit de ouf. Hein. Non, je vais faire quand même la nuée de faucon. Alors. Ok. Bon. D'accord, je peux pas descendre ici, non. Bon. Le petit demi-tour. Alors, frérot. Ce coffre-là, ça m'intrigue. Et ça m'intrigue parce qu'il est là. Bingo. Ah, on y va même de suite. Hop là. 2 sur 3, très bien. Alors, mon objectif, je crois qu'il faut que je remonte. La dernière fois, on devait remonter. J'avais trouvé un espèce d'endroit, voilà, par ici, où je pouvais remonter. Hop. Je sais pas ce que ça mène, je sais pas où ça mène, hein, mais ça va nous aider, c'est sûr. Faites demi-tour, Az. Les jeux sont pas les bienvenus, on dirait. Hop là. Le voilà. J'espère qu'il se souvient de nous. Il est où? Ah oui. Ah, attends. Quelque chose me dit que... Voilà. Attends 2 secondes. Ok, bon. Il y a visiblement que le tour de ce truc à faire. Tac. Je vais le ramener là-dessus et on va pouvoir voir ce qui se passe. Hop. Allez, dis-moi ça. Regarde. J'ai besoin d'XP. Intéressant. Bon, avec cet XP, je vais être bien. Alors. Super, bon allez. On va voir la sorcière. Comment ça va, Charlie? Est-ce que la sorcière est ici? Qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est ce qu'il m'a dit. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dans ma tête. Charlie. T'entends des drôles de choses dans ta tête. Tiens-toi prêt, mon garçon! Ah! Oh! Dégage! Ah ouais! Oh, oh. Hop, voilà. Allez, on l'envoie chier. Comment c'était ? Il y a du progrès. Incroyable. Oh oh oh, attends. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit quoi ? Satan meetings sur tous ceux qui entrent. Et ouais, c'est Baby King. Tout pareil. Ah, moi je fouille la zone avant. Je suis sûr qu'il y a des petites choses en arrière comme ça. Pas du tout. Moi je ne veux rien louper, les gars. Ça c'est ok. Ah bah. Mais. Pff, je veux juste que tu dises ça, Brugy. Tu peux les lire. D'accord. Mort au dieu corbeau, seigneur des pendus. D'accord. Je sais pas ce que ça fait, mais ça fait un peu d'XP qui rentre. Y'a quoi là-haut?
peut y avoir un truc intéressant. Allez, on y va. Ah. Hop, coucou je panier. Ok, ils m'ont rien lâché. Bande de radins. Corbeau. Va te faire foutre, voilà. Alors. Je pense que. Je peux pas le... Ah si. Ah non, on peut pas. Il doit y avoir une énigme avec ça. Ok. Bon, à mon avis, je suis pas assez avancé pour avoir ça. Hop. Attends, on va juste checker autour ce qu'il peut y avoir. Rien de spécial, juste checker de rien oublier. Ok, ça, ça ira avec le truc un peu plus tard. Tu veux que je lise ce qu'il y a d'écrit ? Pas forcément. Allez, on va jusqu'à la maison. Normalement, elle est à l'intérieur. Père, elle est là ! Je suis tellement contente de te revoir. Je savais que t'étais pas mort. Bonjour. Oh ! Tu pourrais ramener une tête à la vie ? Ah, je ne suis pas sûre de comprendre. Une minute. Où les as-tu eues ? Tes flèches. Donne-les-moi. Maintenant. Mais on me les a offertes. Fais ce qu'elle te dit, mon garçon. Ces flèches sont très dangereuses. Maléfiques. Si tu en trouves d'autres, détruis-les sur le champ. C'est compris ? Est-ce que tu as bien compris ? Dis-le ! Oui, j'ai compris. Si j'en vois d'autres, je les détruirai. C'est tout ce que je demande. Excuse-moi. Prends mes flèches à la place, je te les offre. Je n'en ai plus besoin désormais. Oh. Alors, c'est quoi cette histoire de tête ? Est-ce que tu as la moindre idée de qui il est ? C'est toi qui l'as tué ? À sa demande. Il a dit que tu pouvais le ressusciter. Moi ? Tu es sûr d'avoir bien compris ? S'il te plaît. Mets-le sur la table. Hemley ! Je n'ai pas pratiqué la magie ancestrale depuis une éternité. Maintiens-le. Voyons voir ça. Heureusement, la décomposition n'est pas très avancée et son cerveau est intact. Jolie entaille. De toutes les têtes, il a fallu que tu coupes celle-là. J'espère que tu sais ce que tu fais. Maintenant, plonge sa tête sous l'eau et ne la lâche surtout pas. Je suis sérieuse. Pouf, carrément. Ça suffira. Ça a marché. Laisse-moi le voir. Mimir, tu m'entends ? Oui. Bien. Oh. Bonjour Freya, ça fait longtemps. Vous avez bonne mine. J'ai uniquement fait ça pour eux. Si on me demande mon avis, je trouve que la mort te va mieux. Je me prosternerais, Votre Majesté, si je le pouvais. Je n'aurais jamais suggéré cette idée si j'avais su que Freya en personne était la sorcière des bois. Freya ? La déesse Freya ? Vous ne saviez pas non plus ? Désolé. Quand il saura que Mimir a été libéré, Odin ne tardera pas à exprimer sa colère. Tu es une déesse ? Oui, j'étais chef d'Evan autrefois. Mais plus maintenant. Et tu n'as pas jugé bon de m'en informer ? Est-ce que par hasard, tu aurais l'intention de me faire la morale à ce sujet ? Allons-nous-en, Atreus. Mais... Maintenant ! De rien ! Pourquoi t'as fait ça ? Un peu vénère, quand même. On ne peut pas lui faire confiance. Parce que c'est une déesse ? Aurais-tu oublié tout ce que je t'ai appris ? Mais elle nous a beaucoup aidés. Elle a menti.
Certaines personnes tiennent à leur intimité. Ne les juge pas trop vite, frère. Quand j'aurai besoin de ton avis, Tête, je te le demanderai. Comme tu voudras. Emmène-moi au temple de Tyr dans le lac des Neufs et je vous guiderai vers Jotunheim comme promis. On connaît ce temple. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Rien moins que le dernier géant vivant de Midgard. Qui mieux que lui pourrait nous indiquer la route ? Le serpent monde ? Attends, tu sais comment lui parler ? Mais oui ! Allez, on descend. Il parle une langue obscure, encore plus vieille que ces montagnes. Plus personne ne la connaît à Midgard. À part moi, bien sûr. C'est vrai ? Oui ! Ça ne se voit pas au premier abord, mais Jormungand recultive l'art de la conversation. D'accord. Bon, on a rencontré, bah, du coup, Freya. Donc, Kratos pas très content de rencontrer une déesse, évidemment. Puisque le gars, sa grande passion, c'est de tuer les dieux. Hop, je me casserai les couilles à prendre le bateau. Oh, coucou. On va prendre le bateau. Je viens de me rappeler que c'était très long de stepper dans ces trucs-là. Alors, désolé, Mimir. Petit moyen, je crois. Non. Parle-nous de Baldur. Il prétend que rien ne peut le blesser. Oui, une Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Les fanfaronnades d'un dieu, tout le monde a un point faible. Sauf lui, j'en ai peur. Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Tu viens de le dire, Mimir. Ah oui. Quelle est la source de son pouvoir ? Eh bien, dans mon souvenir, ça impliquait... un sentinelle ? Mimir. Mon cerveau n'est pas encore tout à fait revenu à vie. Laissez-lui un petit moment pour finir de se réveiller. J'espère qu'il n'est pas cassé. Donc le gars ne peut pas tout nous dire. Bon. On sait déjà que le mec est invulnérable. On sait qu'il y a Freya. Oui, qu'est-ce que tu montres ? Mimir, on est sur le lac. Parfait. Amarre-nous près du pont. Oui, j'arrive. Et on va aller parler au petit serpent. Enfin, petit serpent. Grand serpent. Soyons honnêtes. J'ai pas été voir jusqu'au bout la dernière fois. Jusqu'au bout du bout. C'est quoi ça? Ok, je pourrais rien en faire. Très bien. Bon. Du coup, on disait... Hop. Que je dois aller voir Monsieur le Serpent. Tête, comment parle-t-on au serpent ? Il y a une corne sur la plateforme, au milieu du pont. Emmène-moi là-bas. Enfin, la corne ! Alors, est-ce que je vais au bon endroit ? Oui. Je suis pas sûr. Ok, 30 mètres, super, je m'en approche. D'accord. Hop. J'ai eu peur. Tac. C'est parti pour une... Bien, et maintenant approche ma bouche de la corne. Hop. Vas-y, parle mon pote. Fait construire cette statue en l'honneur de Thor, sachant à quel point le serpent monde tient ce gros abruti en horreur, il devait en avoir marre de le contempler. Mais c'est pas douloureux ? Thor et le serpent monde ont un passif un peu mouvementé. Enfin, un avenir. Il faut croire que le voir à chaque fois qu'il se levait était encore plus pénible que l'idée d'avaler une statue de pierre. Tu veux que je lui demande ? Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est Jotunheim. Très bien, souhaitez-moi bonne chance. Se souviens de moi. La yu... Oh non, c'est pas ça. Makuna un...
Tonko. Ah, oula. Ecco no tono buono. Il comprend ta douleur. Il va t'aider. Étrange. Qu'y a-t-il? Rien de bien inquiétant. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure qu'on prend la bonne direction. Écoutez-moi bien. Il faut deux choses pour pénétrer sur la Terre des Géants. D'abord, nous devons apprendre la rune qui ouvre le passage vers Jotunheim. Ensuite, nous devons graver cette rune dans la porte spéciale. Celle sur le pic où on t'a rencontré? Exactement. Sauf que les géants, dans leur grande sagesse, ont fait en sorte qu'il faille un outil spécial. Seule la pointe d'un purin magique peut ouvrir la porte. Par chance, je sais où il se trouve et ce n'est pas loin. Il a eu l'air furieux pendant un instant. Ah ça, il a cru que j'avais dit que vous étiez ami avec Oda. Pardonnez-moi, c'est la première fois que je parle de la langue ancestrale, sûrement. Eh ben, toujours impressionnant, ça. Eh, hey, regardez! Le niveau de l'eau a encore baissé. On distingue mieux les tours des royaumes et les statues. Je vois même de nouveaux endroits à explorer sur le rivage. Où se trouve le burin? Trouvez-moi un bateau et je vous y emmènerai. Oh, décidément, t'aimes bien les bateaux, toi. Bon, il a dit qu'il y avait de nouveaux endroits à explorer. Explorons. Alors. Voilà. Est-ce qu'on peut descendre par là-bas? Non, parce que moi, tout ce qui est exploration, j'aime bien. Mais je veux savoir si c'est possible de descendre. Ok, c'est bon. Ah, ça y est, je peux les lire. Mais. D'accord. C'est en nom. R! Wow! Le nom l'a allumé! C'est le nom d'une Valkyrie. Oula. C'est très curieux. J'aime pas beaucoup les Valkyries. Hop, ça on récupère. Et on va aller par là. Descendons un petit coup. Quand on aura atteint le bateau, on pourra soit aller chercher ce burin spécial, soit partir explorer les environs. Les deux me vont. À toi de décider. Ouais, bah moi déjà je vais explorer les environs. Parce qu'il y a toujours des choses à chercher. Des cauchemars. Oh, je les déteste. T'es qui toi, hein? Hop, tiens. Bien, continue comme ça. Hop là. Couché. Ok. Ça fait du bien, bon. Un combat facile de tomber. Oui, c'est pas faux. Atreus. Oui, père. Bon, tiens, y a un truc au sol. C'est pour toi. Hop, un passage. Ça le déverrouille automatiquement ou faut que je déverrouille, je sais plus. Une autre carte. Super. Alors, ce bateau, clairement. Oui. Ah, il y a une goutte là-bas. C'est quoi ça? Ok. Très bonne question. Alors. Hop. Est-ce que ça l'active quand je fais ça? J'en ai aucune idée. Par contre, j'ai vu qu'on pouvait monter ici. Donc on va monter. Je sais pas du tout où je me dirige, hein. Alors sérieusement, j'entends une forge. Frérot, oui, vas-y, monte, allez. Si j'entends une forge, c'est qu'il y a l'un des deux couillons. Sindri ou Brock. C'est Brock. Ah non, c'est Sindri, pardon. Pauvre Fafnir, la ligne est mince entre l'ambition et la cupidité, vous savez.
je vais... Hop. Alors, je vais regarder ce que t'as à me proposer. Oh dieu, il y a des trucs en or. Il y a des trucs et 4. Ah, il y a des trucs en or carrément à craft. Ah mais... faut de l'argent, de ouf. Attends. Vendre. Oui. Ils sont là. Hop. Voilà, ça j'aime beaucoup. Alors, enchantement. Ça je vais garder. Pierre de résurrection, je vais garder. Ressources, je vais garder. Acheter. Fabriquer. Ah, faut de la braise ardente. Bah écoute, je pense que je vais déjà faire celle-là. Ça, ça met beaucoup de défense. Je gagne plus en force. Je perds en vitalité, mais je gagne en rune. Fabriquer. Tais-toi. Alors. R3. Hop. Je mets celle-là. Oh là non, on voulait pas le. Alors plus de défense. Enfin moins de défense. Plus de force. Ouais. Wow. Ça, c'est magnifique. Alors j'ai plus une thune par contre. Hop. Ah, par contre, je peux pas mettre de runes. Tiens donc. Alors, deux secondes. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'ai plus d'argent. Je revends ça. Viens. Je me sens moins l'étroit. Merde. Allons-y. Alors. Non, protection de la taille. Oui. Très belle pièce. Hop. Je peux me permettre. Comme ça, j'améliore. À très bientôt. Tac. Alors, qu'est-ce que je peux mettre ? Pas des trucs très ouf, hein. Est-ce qu'il y a des emplacements de... fabriquer des talismans. Un talisman violet. Faut de la braise ardente. Faut de la poussière de royaume. Ok, déjà, il y a des trucs ici qui sont bien mieux que les... Non, que les enchantements. Alors, non. C'est des enchantements. Ok. Pommeau de hache. Ah. Ah oui, il y a des trucs sympathiques à craft. Alors, c'est les enchantements qui m'intéressent. Ouf. Ok, ça c'est quoi un enchantement qui améliore les stats aléatoirement? Ok, ça c'est quoi? Symbole de rune, symbole de chance. Ouais, c'est pas fou en fait. Alors. Ouais. Sans là, j'ai rien pour tout améliorer. Ah, quoique. Protection de taille. Non, je vais préférer les fabriquer, je pense. Unité d'acier doux de Svartalfheim. Alors, question. Qu'est-ce qui a attiré ton regard ? Acier de Svartalfheim. Non, j'aurais besoin de braise ardente pour lui. J'aurais besoin de braise ardente pour tout ça. Deux braises ardentes. Pour Atreus, j'ai besoin que de ça. Alors, ça c'est quoi ? Braise ardente, ouais. Et de la braise ardente aussi. Ok. Bon. Alors, par contre, j'ai de l'XP. Compétence. Alors. Visez et maintenez R1 pour sélectionner 3 cibles sur un ennemi et tirer une cible sur 3. Non. À Manu, visez puis appuyez sur R1 pour rappeler instantanément la hache Léviathan et effectuer une attaque puissante tournante. Non. Alors. Changer de posture en marquant une pause après une attaque à la hache Léviathan. Une fois dans la nouvelle posture, appuyez sur R1 pour effectuer un balayage. Foot.
Maintenez R1 lors d'une esquive vers l'avant pour infliger un coup de hache. Oui. Ça c'est quoi? Lors d'une esquive, maintenez L vers l'arrière pour et appuyez sur R1 pour un rapide lancer de boomerang. Ça me va. Maintenez R1 avec une pour une alors maintenez R1 pour une attaque à la hache touchant plusieurs fois les ennemis et les immobilisant. Ok, alors ensuite. Qu'est-ce que j'ai de beau ici? Lors d'un sprint à main nue, appuyez sur R2 pour effectuer un puissant coup d'épaule qui projette l'ennemi en arrière. Oui. Changer de posture en marquant une pause après une attaque à main nue. Une fois. Non. Bloquer un projectile au dernier moment, absorbe l'inspac et renvoie le projectile à son émetteur. Ah! Intéressant. Alors chez Atreus, qu'est-ce que j'ai à déverrouiller? Les flashs lumineuses infligent encore plus de dégâts d'étourdissement aux ennemis. Hop. Voilà, et ici les flèches électriques infligent d'énormes dégâts aux ennemis. Des dégâts électriques aux ennemis, ok. De toute façon, j'ai plus rien de disponible, je pense. J'ai plus rien, ok. D'accord. Et ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, normalement, j'ai pas codex. Est-ce que j'ai des choses à. Non, j'ai rien de déverrouillé, on est d'accord. Bon. Et ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Et à vous abonner. Et nous on se retrouve prochainement pour la suite. Sur ce, ciao.